On est parti ce matin vers Rachidia, on a pris le 4x4, on a roulé pendant 2 heures dans un décor désertique pour arriver ici à Merzouga. Merzouga, c'est la porte du désert. Vous voyez peut-être derrière moi, il y a des dunes là qui sont vraiment emblématiques de la région, des dunes dorées, blondes, qui sont énormes, qui culminent à 150 mètres. Donc c'est sur ce secteur-là que demain on va prendre le départ. Je vous rassure, en principe, on ne devrait pas monter tout en haut, mais ça risque d'être assez difficile quand même. On a monté nos vélos, ouais, chose importante, on avait un petit peu peur de ne pas retrouver les vélos, en tout cas de les retrouver en pièces complètement détachées, complètement éparpillées. Et en réalité, le transport s'est vraiment bien déroulé, on les a remontés, on les a essayés, on a pédalé un petit peu, et c'est très compliqué. Dès qu'il y a du sable, je ne vous cache pas qu'on est obligé de marcher. Donc on vous racontera un petit peu plus demain ce qu'il en est, mais c'est vrai que s'il y a de nombreuses sections comme ça dans les dunes de sable, ça va être énormément de marche, énormément de poussage, ça va être éprouvant. Tu la sens comment cette première étape? Pas une découverte, totale. On verra bien, on va se faire plaisir, le plaisir. En tout cas, il faut regarder le paysage. Ce magnifique lever de soleil. Fais-toi plaisir aussi. Du matin, on remplit l'eau. Chaque jour, on nous donne 2 bouteilles d'1,5 litre pour commencer l'étape. Après, il y a d'autres points d'approvisionnement au cours de la journée. Mais là, on part avec 3 litres d'eau et ça va être vraiment important de bien gérer cette consommation en eau, cette hydratation, ce qui va faire très chaud. Je crois que là, ça y est, on voit les premières difficultés. J'ai l'impression. Il y a un petit peu de sable, ça roule très vite, il fait chaud. Et qu'est-ce qu'il y a devant nous là? Il y a l'air le Chedi, donc quelques kilomètres de sable où on peut pas rouler en fait. Donc on va pousser.
Aujourd'hui, c'est une étape de 109 km, mais ça va s'enchaîner pendant 6 jours. Et je pense que tout ce qui va être vraiment à la longue très pénible, ça va être les douleurs articulaires, ça va être les frottements qui vont être générés par le sable, par la chaleur. Donc tout ça, va falloir vraiment être attentif et pas trop s'enflammer. On va y aller tranquille parce que demain ça recommence, après-demain ça recommence. C'est ça un petit peu la difficulté du Titan désert, c'est que c'est une épreuve par étapes et c'est très long, 600 km, 6 étapes. Ah merci, c'est... merci beaucoup. Ça fait son poids. Hein. Franchement, merci, merci à toi. Merci, merci. Franchement, j'aime pas abandonner. J'ai horreur de ça. Mais franchement, je pensais pas que je pourrais tenir autant. Quoi. Franchement, j'ai jamais fait un truc aussi dur. Ah ouais. Mais franchement, j'aime beaucoup le format. Le format étape comme ça, c'est top. Ouais, c'est vraiment bien. À refaire.